sont grands. Archiviste à l'hôpital de Kunduz, Feyzoula se souvient de cette nuit de cauchemar où il a cru mourir sous le déluge de bombes. Il revoit les patients et les collègues décapités par les obus, brûlés vifs dans leur lit, frappés directement quand ils ont tenté de fuir les bâtiments en flammes. Lui s'est réfugié dans ce coin avec un médecin qui est mort quelques minutes plus tard. I tried a lot to take his dead body out of the site to not to prevent him from burning, but it's the only thing that really hurts me, that he died and after that he burned and everybody burned. Très vite, l'armée américaine reconnaît être responsable de l'attaque et le président des États-Unis présente ses excuses à Médecins Sans Frontières. La première réaction d'MSF, ça a été de garder la porte ouverte en demandant une enquête pour savoir comment il était possible qu'un avion américain, pendant plus d'une heure, bombarde un hôpital MSF, fasse 42 morts. En avril 2016, l'armée américaine publie les résultats de sa propre enquête qui conclut que l'attaque sur l'hôpital de Kunduz est le résultat d'une série d'erreurs. On y apprend que les troupes américaines considéraient que tous les civils avaient fui Kunduz et qu'il ne restait que des talibans, transformant de fait la ville entière en entité hostile. L'hôpital aurait été confondu avec une cible militaire, confusion due à un ensemble de défaillances humaines et techniques. L'hôpital de Kunduz aurait donc été bombardé par erreur, une version contestée par MSF pour qui il ne s'agit pas d'une cascade d'erreurs, mais d'une cascade de décisions délibérées qui ont conduit au sacrifice de l'hôpital. Ce concept de légitime défense préventive appliqué à toute une partie d'une ville dont on a décidé d'opérer la reconquête militaire, ça conduit à une guerre totale sur cette partie de la ville. La présomption qu'on est dans un champ de bataille ouvert, et que les civils qui sont restés, c'est forcément qu'ils ne sont pas civils, mais qu'ils sont combattants, ils sont militants, et que tout ce qui tourne encore, c'est forcément du soutien matériel direct aux combattants. Au moment des faits, la ville de Kunduz venait d'être prise par les talibans, déclenchant une contre-offensive des forces afghanes, soutenue par les forces américaines. Le jour de l'attaque, l'hôpital soignait 105 patients, parmi lesquels se trouvaient des combattants désarmés. Début octobre, la présidente internationale de Médecins Sans Frontières s'adressait aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU 5 mois après l'adoption de la résolution censée garantir la protection des civils et des services médicaux en temps de guerre. À une époque où le contre-terrorisme structure la guerre, un permis de tuer a été délivré. Nous vous demandons encore une fois d'annuler ce permis de tuer. Annulez-le, même s'il s'agit d'attaquer vos ennemis qui sont en train d'être soignés. Parce que bafouer la neutralité des hôpitaux est en train de devenir la nouvelle norme dans la conduite de la guerre. Éventrés, les fenêtres soufflées par les bombes, les brancards recouverts de pierres et de poussière. Voilà tout ce qu'il reste de cet hôpital dans l'est d'Alep. Le 1er octobre, les bombardements incessants de l'aviation syrienne et russe ont entièrement détruit les blocs opératoires et les chambres des patients, amenuisant les chances de survie des blessés de guerre qui affluent chaque jour. Voici le stock de la pharmacie d'un des rares hôpitaux toujours en fonctionnement. Comment soigner dans ces conditions? Dans les 8 hôpitaux de l'Est d'Alep, soutenus par Médecins Sans Frontières, les équipes médicales doivent faire des choix insupportables. Nous sommes en état de siège, alors nous devons nous débrouiller pour soigner ici tous les patients qui arrivent. Nous voyons beaucoup de lésions cérébrales très graves que nous ne pouvons tout simplement pas traiter. Quoi que vous essayiez de faire, ça ne sert à rien. Vous attendez 5 minutes à leur côté pendant qu'ils meurent, sans être capable de faire quoi que ce soit pour les sauver. Je pense que si nous pratiquons moins d'opérations et que nous utilisons le moins de matériel possible, nous pouvons tenir encore 3 mois. Mais si les bombardements continuent avec cette intensité, je pense que nous ne serons pas capables de tenir plus d'un mois, 6 semaines maximum. Depuis 2011, la guerre est le quotidien des Syriens. On estime que 250 000 personnes survivent dans l'est d'Alep, sans eau ni électricité, avec très peu de nourriture, sous les bombes et au milieu des décombres.
Nous sommes à bord du Dignity One, un des trois bateaux qui permet à Médecins Sans Frontières de porter secours aux hommes, femmes et enfants qui tentent au péril de leur vie de rejoindre l'Europe et font naufrage en Méditerranée. Lundi 3 et mardi 4 octobre, plus de 10 000 migrants ont été secourus au large de la Libye, un triste record depuis le début de la crise migratoire. À bord du Bourbon Argos, du Dignity One et de l'Aquarius, affrétés par l'association SOS Méditerranée, les équipes de MSF ont secouru près de 2000 personnes en 7 heures. Depuis le continent africain, la Libye est un point de passage majeur vers l'Europe. Ce garde-côte travaille dans le port de Zouara. Dans ce pays en crise, ses collègues et lui sont dépassés par l'afflux de migrants. Tout manque pour leur porter secours, des équipes nombreuses et formées, et des bateaux en bon état de fonctionnement. Nous n'avons pas grand monde à qui nous adresser. Il n'y a que le centre de commandement des gardes-côtes qui peut nous aider. On leur a dit à plusieurs reprises que nous avions besoin de plus de bateaux de patrouille, de plus de gardes-côtes. On a besoin de plus de moyens pour faire notre travail correctement. La situation est pourtant alarmante. Depuis le début de l'année, 3230 personnes ont trouvé la mort en Méditerranée, qui est devenue la route migratoire la plus mortelle au monde. Un essai clinique permet de savoir si un nouveau médicament ou un nouveau vaccin est efficace et sûr. C'est l'étape la plus importante pour faire approuver les nouveaux médicaments et les rendre disponibles à travers le monde. Un essai clinique ne porte pas forcément sur une nouvelle molécule ou un nouveau médicament. Il peut aussi s'agir de tester une nouvelle utilisation ou une nouvelle association de médicaments. Le nombre de participants, l'utilisation ou non de placebo dépendent de la question de recherche et des hypothèses de base. Lors d'un essai clinique, le consentement éclairé du participant est capital. Il doit être volontaire et connaître les risques de l'essai. Après une phase préclinique qui comporte des tests sur des animaux en laboratoire, les traitements sont testés selon plusieurs phases. Les études de phase 1 sont menées en général sur un petit échantillon de volontaires sains. On vérifie que le traitement est sûr et on cherche le meilleur dosage. Les études de phase 2 impliquent plus de patients. On observe l'efficacité du traitement. Par exemple, permet-il d'arrêter l'expansion de la maladie ou de la faire reculer? Si ces deux phases sont passées avec succès, l'étape suivante est la phase 3. On compare les résultats du nouveau traitement avec le traitement de référence existant. Cette phase peut concerner des centaines, voire des milliers de patients dans plusieurs pays. Si le traitement évalué apporte des améliorations par rapport au traitement existant, il peut alors être éventuellement recommandé comme le nouveau traitement de référence. Prenons l'exemple de la tuberculose multirésistante, une forme de tuberculose contre laquelle plusieurs antituberculeux standards ne sont plus efficaces. Ces dernières années, deux nouveaux médicaments ont été développés, la bédaquiline et le délamanide. L'essai clinique du projet NTB mené par MSF et ses partenaires vise à évaluer différentes combinaisons entre ces nouveaux médicaments et des médicaments existants afin d'identifier un ou plusieurs traitements plus efficaces, plus rapides, plus simples et avec moins d'effets secondaires que le traitement actuel. Il s'agit donc d'un essai de phase 3. L'essai sera mené pendant 4 ans sur 750 patients dans 5 pays. Au niveau central et dans chaque pays, un comité d'éthique en charge d'assurer la protection des participants a validé le protocole. Les participants sont des adultes malades. Le traitement qu'ils recevront sera attribué de manière aléatoire parmi 5 combinaisons expérimentales d'une durée de 9 mois et le traitement de comparaison d'une durée de 20 mois. Chaque patient sera suivi de très près.
Au cours du déroulement de l'étude, les chances pour un nouveau patient de se voir attribuer tel ou tel traitement seront en permanence adaptées en fonction des résultats. Si cette étude permet d'identifier de nouveaux traitements sûrs et efficaces, cela représenterait une véritable révolution dans la prise en charge des formes multirésistantes de tuberculose. I think the most striking thing for me and the most obvious thing, even when you enter Maiduguri, when you first arrive there from the airport, is the number of women and the number of children you see. Maiduguri is a city of children. They're wandering around and roaming around everywhere. And these children are either from a female-headed household or they've been dislocated, they can't find their families, or they're orphans. So there are many, many children in Maiduguri, and there are many, many women. It's notable because you do not see that many men, although that is slowly changing. And the reason for this is either the men have been killed, kidnapped, or sometimes interred by the Nigerian army as suspects of being with Boko Haram, or they've run away. And a lot of them, because a lot of these people have fled fighting when the Boko Haram have attacked their villages, the families have been separated as well. So you have a lot of families trying to find each other as well. And the United Nations, I think, do have some kind of a scheme to try and reunite families. But it's very striking that you see women and children everywhere more than what you do men.